à Saint-Gilles. C'est là que l'on va retrouver Jean-Christophe Pezès. On a entendu cette attaque en règle du gouvernement Michel pour le Parti socialiste. Il s'agit aussi de se redorer, de redorer son image après le scandale du SAMU social. Alors vous le voyez peut-être derrière moi, le congrès vient juste de se terminer et les militants sont en train de sortir. Alors il y a eu pas mal de discours hein, durant ce congrès et la principale cible clairement c'était le gouvernement fédéral et plus particulièrement l'AMR et la NVA. Le gouvernement fédéral accusé d'être un instrument de marche arrière du progrès. En matière d'emploi notamment, en matière de sécurité sociale, de soins de santé ou en matière de justice. Donc une attaque en règle contre le gouvernement fédéral, mais une défense aussi des acquis bruxellois. La région bruxelloise est la seule région où le PS est dans la majorité et il engrange des acquis, des résultats à asséner Laurette Onkelinx, notamment avec cet accord récent hein, sur les allocations familiales. En matière de chômage aujourd'hui, puisque le chômage baisse, depuis 60 mois. Vous l'aurez compris, le PS est en ordre de bataille pour le scrutin communal. Un PS qui a souffert hein, du scandale du SAMU social, mais qui clairement aujourd'hui part à la reconquête de ses militants.